Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu fais partie de celles et ceux qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo, bienvenue à toi dans la tribu, je m'appelle Nala. Et aujourd'hui, on commence un nouveau thème, sur la chaîne avec mon île Abydos. Voilà, je vais vous montrer ma carte tout de suite. Hop, voilà. Donc, l'île s'appelle Abydos. Pour ceux qui ne le savent pas, Abydos, j'ai choisi ce nom parce que c'est une référence à l'Égypte antique. Moi, j'adore, je suis une fan de cette période. J'aime beaucoup tout ce qui touche à l'Égypte, en fait, de manière générale. Et donc, la particularité d'Abydos, c'était que c'était le principal lieu de culte d'Osiris. Voilà. Et puis du coup, c'est là-bas que se trouve notamment le temple de Séti Ier. Voilà, pour info, pour votre petite culture générale sur l'Égypte. Donc c'est pour ça que j'ai donné ce nom à cette île. Alors, on fera pas forcément un thème focalisé Égypte. Ce sera un thème oriental de manière générale. Je vais vous expliquer tout de suite de quoi il va s'agir. Alors déjà, je vais vous montrer là, donc vous voyez ma carte. Donc vous vous en doutez, j'ai eu les trois étoiles, j'ai débloqué le remodile. Donc là, c'est la carte toute mise à plat. Il faut que je bouge mon atelier des sœurs doigts de fée, mon musée notamment, que je mette toutes mes maisons qui sont encore sur l'île, que je les dispose sur la plage. Mais voilà ma carte en état. Je vais vous montrer tout de suite du coup telle qu'elle était lorsque je l'ai eue. Donc la map d'origine qui est là. Voilà, ça c'était ma carte d'origine, c'est la carte que j'ai choisie à la base. Donc il y avait un petit lac, vous le voyez, en forme de cœur, en E5. Bon, j'ai tout recouvert, mais voilà, je l'ai choisi parce que je me disais, je voulais un aéroport qui était en face de la mairie. Et effectivement, quand j'ai fait mon remodile, je me suis rendu compte que l'aéroport est bien en face de la mairie. Donc ça, c'est très très cool. J'ai un grand ponton, j'ai une péninsule où je peux faire des choses quand même dessus. Donc voilà, c'était une carte plutôt cool et qui m'a plu tout de suite. Alors du coup, je vous le disais au niveau de comment l'île va être structurée. En fait, je vais faire tout un coin un petit peu plus urbain sur le devant de l'île, donc au niveau jusqu'au bureau des résidents, peut-être un petit peu derrière. Et puis en fait, tout le fond de l'île, là par contre, sera une partie désertique. Donc il y aura du motif de chemin sablonneux uniquement ou en grande partie. Peut-être quelques falaises, certainement une ou deux oasis. Mais voilà, ce sera très 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 désertique. Je choisis mes habitants en fonction de leur couleur et de leur maison pour la plupart, même si je compte débloquer la fonction personnalisation des maisons grâce au DLC. Mais voilà, ce sera une île sur les teintes de orange et de bleu. Voilà, puisque j'ai les hortensias. Je crois que c'est les hortensias cette période. Bref, là je suis au mois de juillet, je crois que c'est les hortensias bleus. Donc je vais en mettre et peut-être, il me semble qu'à cette période, j'ai également en parallèle, j'ai les, comment ils s'appellent, les frangipaniers. Voilà, je mettrai peut-être les jaunes du coup, je ne sais pas, je verrai. Mais voilà, voilà en tout cas les grandes lignes de cette île. Donc du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer comme d'habitude à l'entrée. Je vais prolonger, je pense, sur le côté du bureau des résidents, mais ce sera une partie qu'on fera lors d'une prochaine vidéo. Qui sera vraiment consacré au bureau des résidents et toute la partie autour. Voilà, donc vous allez le voir, il y aura de la falaise sur, sur cet aménagement, mais je ne vais pas forcément aménager les falaises aujourd'hui. Je vais installer les rampes, je vais mettre mon motif de sol, je mettrai peut-être quelques touches de déco, quelques meubles, mais ce ne sera pas le plus gros de notre vidéo aujourd'hui. Alors ce ne sera pas forcément une vidéo avec beaucoup de décoration. Voilà, ça sera, vous allez le voir, une rue, en fait une rue passante. Donc je vais pas forcément mettre beaucoup de déco à cet endroit là. Ou en tout cas ce sera de la déco, ce sera un petit peu la même. Mais voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous plaira et qu'elle donnera le ton, c'est le but de cette île. Allez, on est parti, on passe en mode remodile, j'arrête de parler, je vous laisse avec les images et on se retrouve à la fin de la vidéo, à tout de suite. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
C'est donc la fin de cette petite vidéo, première vidéo, donc du coup sur ma nouvelle île, un thème oriental, oriental égyptien, mais on va essayer de faire oriental de manière générale. Bon, je vous avoue, j'ai un petit peu galéré pour cette entrée, tout simplement parce qu'il me manquait un petit peu de déco, donc il va falloir que je récupère certains objets. Mais voilà, bon, j'espère que le résultat en tout cas vous plaît. J'ai essayé de mixer à la fois du coup un côté urbain pour cette entrée, puisque je vous l'ai dit, tout l'avant de l'île sera un peu plus axé urbain, et puis de mixer également et bien de faire ressentir le côté oriental. J'espère que la mission est réussie. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous l'avez vu, j'ai changé pas mal de petites choses au fur et à mesure de la vidéo. C'est pas impossible que j'apporte de nouvelles modifications d'ici le prochain aménagement. Je vous l'ai dit, on s'occupera autour là, du bureau des résidents. Vous l'avez vu, c'est complètement vide, mais c'est fait exprès. Je pense qu'on aménagera tout ce petit coin-là. Et puis on poursuivra du coup notre terraformation derrière le bureau des résidents. Et certainement aussi, on poursuivra du coup sur la droite de notre entrée. Voilà, je ne sais pas encore ce qu'on fera lors de la prochaine vidéo, mais ce sera certainement de toute façon ce coin-là. Bah écoutez, j'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu. Merci à vous de l'avoir suivie. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me faire vos suggestions pour cette île. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais des très très gros bisous. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut tout le monde !